Bonjour dans la cage au Fiole TV. Il est 7h du matin et je vous montre mes bébés bocaux en lactofermentation. Alors là ici c'est mes tomates, les tomates sauvages qui poussent dans la rivière parce que les pique-niqueurs laissent leurs graines et les tomates repoussent. Donc on a des tomates vertes qui n'ont pas la chance de pouvoir mûrir, donc je les ai mis en lactofermentation. Plus loin là-bas, on a du céleri, on a du fenouil, en dessous on a une carotte. Là, c'est haricots verts, courgettes, céleri au poivre, oignons poivre rose, persil haché en lactofermentation. Ici, on a un bocal d'oignons et je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre. Mais il est vivant. C'est-à-dire qu'il est en train de lactofermenter. Il est en train de pétiller. Oh là, je ne sais pas si on arrive à voir. Celui d'à côté qui nous embête. Hop. Waouh, je filme à l'envers, c'est pas facile. Mais bon, voilà, il est là. Il est en train de fermenter, donc il est en train de rejeter le jus, enfin l'air dehors. Il est en train de fermenter gentiment. Le grand bocal là-bas, il l'avait déjà fait. Enfin voilà, j'espère que vous les voyez bien tous. C'est mes bébés qui lactofermentent. Et cet hiver, eh bien, j'aurai de quoi me substanter avec ces alicaments. J'adore les entendre chuinter. J'adore les entendre chuinter parce que vraiment ça prouve que c'est vivant. Et j'en ai assez de manger de la nourriture morte, donc je vais manger cet hiver de la nourriture vivante. Comme je bois du kéfir et parfois même un peu trop de bière, ça ira avec le reste. Bonne journée dans la cage au Fiole TV. Mangez vivant, vous aussi.